ce message, il est trop mignon. Bah, déjà, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, ça me touche, ça me fait trop trop plaisir de recevoir ce genre de message. Et ça me fait encore plus plaisir de savoir que tu as donné mon prénom à ta fille. Et c'est un magnifique prénom. Et félicitations du coup pour ta fille. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Et en vrai, on n'a jamais été vraiment, vraiment en guerre avec Mélissa. J'ai jamais été vraiment en guerre avec des copines qui ne sont plus mes copines. En général, on prend juste un chemin différent. Mais je suis contente parce que oui, on s'est vu quand j'étais à Dubaï. Donc il y a 2 mois, quand j'étais à Dubaï, on s'est vu et on a pu éclaircir. Alors, Gabrielle, vous me posez souvent la question de si on est amis ou pas. Pourquoi est-ce que on fait des stories ensemble alors que dans Power c'est la guerre. Alors les gars, sachez que Power c'est il y a presque maintenant un an, c'est bon, il y a prescription. Et il faut savoir que quand on s'embrouille en tournage, après quand on rentre chez nous, bah on s'appelle, on se voit, on règle le problème et puis c'est bon quoi, enfin, c'est pas la mort. C'est pas voilà, c'est du divertissement qu'on vous propose aussi. Enfin, quand on s'embrouille, c'est vraiment réel, on se fâche vraiment. Mais on va pas. Je vais pas rester fâchée avec lui parce qu'il a voté, il a trahi Nicolo quoi. Enfin, ça va quoi. Je suis fâchée avec lui dans le jeu parce que dans le jeu on était censés être ensemble. Mais je vais pas mettre une fin à mon amitié avec Gabriel parce qu'il n'a pas voté pour Nicolo. Non, je me suis vengée, j'ai sorti Gabriel de Power, oui. Parce que je suis comme ça. En termes de jeu et de stratégie, bah, je suis très rancunière. Mais Gabriel, c'est un. Bien sûr, je pense qu'il y a des rencontres qui te marquent pour la vie et que tu sois finalement proche de cette personne. Ou, en fait, que ce soit de près ou de loin, il y a des personnes qui te marquent pour la vie. Voilà, faut pas chercher midi 14h. C'est comme ça. Et il y a des gens que tu connais depuis pas longtemps, qui te font encore plus d'effet et qui t'apportent encore plus que des gens que tu connais depuis 20 ans. C'est l'amour. Je pense qu'on appelle ça l'amour, que ce soit en amitié ou vraiment en amour. Je vais finir mon question-réponse avec cette question qui est revenue, je pense, 50. Donc. Je vais finir mon question-réponse avec cette question qui est revenue, je pense, une cinquantaine de fois. Avec un prénom avant ou après à chaque fois, mais je vais répondre à celui-là parce que du coup il n'y a pas de prénom sur cette question. Comme vous le savez, bah, je ne peux pas répondre à votre question parce que je suis tenue par le secret professionnel, la confidentialité. Quand on fait une aventure et qu'il se passe des choses dans l'aventure, on se doit du coup d'attendre la diffusion pour que vous puissiez voir de vous-même par les images si on est en couple, si on est séparé, si on est toujours ami avec une personne, si on n'est plus ami avec la personne, si on est marié avec la personne. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas et je suis désolée. C'est malgré moi, mais c'est le travail, c'est comme ça. Donc j'ai hâte en tout cas que vous découvriez vraiment les images parce que vraiment, c'est juste ouf ce que j'ai vécu pendant cette aventure. Donc